Dans sa zoomée en vert et Glasgow en blanc, voilà le choc qui a officiellement lancé le tournoi de l'Union progressiste dans le département des Collines. Un tournoi initié dans tous les départements du Bénin par le parti Union progressiste avec un objectif de rassembler les jeunes autour d'un idéal. L'Union progressiste est une organisation sociale qui a regroupé des hommes et femmes sociables qui ont décidé de rester ensemble dans un même creuset. Et qui ont décidé de rester ensemble entre eux-mêmes et de rester ensemble avec les autres. Les joueurs qui sont ici présents ce soir sont venus de toutes les tendances politiques du Bénin. C'est l'union des fils et filles du Bénin. Et pendant que nous sommes dans les collines, permettez-nous de dire que c'est l'union de toutes les filles et fils des collines. C'est pour annoncer les couleurs de la solidarité, de l'union. C'est pour annoncer aussi l'excellence. Parce qu'en réalité, l'union progressiste, nous voudrions que le pays et chaque secteur, chaque groupe socio-professionnel progresse au fur et à mesure qu'on avance et progresse avec le pays. Deux équipes au talent exceptionnel qui offrent du beau football aux férus du Cuiron. Au terme du match, c'est l'équipe de Glasgow qui l'emporte sur celle de Dassazoumé, 2-1 au stade de la commune. C'est une idée du président de notre parti pour accompagner la jeunesse de tout le Bénin, pour détecter des talents, mais surtout pour que tout ce que nous avons tous l'habitude de faire, c'est-à-dire chacun organise un tournoi de son côté, des tournois à visée de mobilisation de la jeunesse, que nous puissions faire enfin quelque chose ensemble pour mobiliser la jeunesse autour du Cuiron. Ce n'est pas de se faire des jeux brutaux ou des faux jeux, non. On veut voir ceux qui savent bien jouer. Je voudrais dire à nos jeunes frères que cette occasion, elle est spéciale, elle est unique. Il faut la saisir. Parce que si demain, vous voulez devenir une star, c'est dans les petits quartiers comme ça les gens jouent. Nous sommes heureux de l'initiative du président, du parti et de tout son staff. Sacrée l'émulation de ce temps de repos pour la jeunesse. Et nous nous retrouvons pleinement dans cette initiative-là. À travers ce tournoi, l'Union progressiste accompagne favorablement le gouvernement du président Patrice Talon dans la révélation des talents des jeunes joueurs et la promotion du sport au Bénin.